Je vais refaire une ancienne vidéo. Ok, donc du coup, si on doit tout recommencer. Pour que l'AB correspond à l'arbre, lorsqu'on crée un point, on va dans paramètres, ensuite jeu d'identification. On fait un clic droit sur Civil 3D. On fait modifier. Et là, on fait un clic droit ici pour faire un nouveau, comme il y a déjà des éléments existants. Alors, pas sur la partie vide parce que le clic droit ne marche pas. Et dans le code, ça correspond aux lettres qu'on va devoir taper. Par contre, voilà, mettre la petite étoile qui correspond à quoi? En fait, on n'est pas obligé de mettre l'étoile, mais on la met la toile si on. Par exemple, si on a des références en plus supplémentaires, par exemple, si on veut taper pour la description AB-500, mais que du coup entre le 500, 300 et 200, c'est le même type de bloc. Oui, parce qu'il y a l'étoile. L'étoile, il veut dire en fait remplace tous les éléments qui sont après. C'est bon, ça marche pour ça? Pour l'étoile? Bon, ok. Par contre, si vous mettez pas l'étoile, du coup, il comprendra pas que AB500, ça marche. Et ensuite, il faut indiquer le bloc en question, donc le style de la forme de votre objet. Parce que là, il est par défaut, donc il n'y a rien. Et donc là, on va chercher le tri. Pareil pour les étiquettes. On peut indiquer une étiquette qui vous convient. Donc si vous voulez voir les élévations, si vous voulez voir les élévations plus de description, voilà, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez voir affiché. Si vous voulez que ça soit attribué à un calque, donc vous mettez le calque layer justement. Ça permettra de qu'il ne puisse pas mettre le calque par défaut. T'as fait le cocher? Je le coche, mais je peux pas le modifier. Je peux pas rentrer dans le truc. Tu cliques dans le vide, là. Et après, cliquer à côté, c'est ça? Ah Le non, point dans 4, ce que le je... point 4. Tu vas l'activer d'abord. C'est bon? Tu vois, au milieu? Non, Annule la commande. Non, mais j'ai continué, Si, si. c'est que la forme n'a pas changé. Il n'y a pas changé du tout. Et encore, je crois même pas qu'il va le faire, parce qu'il faut le mettre pour l'initialiser d'ailleurs, si je ne trompe pas. Crée un autre arbre. Crée un autre arbre, du coup. Un autre arbre, crée un autre point. Si c'est minuscule ou majuscule, ouais. Donc, du coup, votre bloc par défaut n'a pas changé ce qui est marqué AB. On est d'accord. Parce que du coup, il n'y a pas de style. Le AB était juste entré en texte, mais n'était pas relié à un style. Donc, par contre, quand tu crées un nouveau bloc, en mettant un B, ça marche. Oui, notre but était de pouvoir rentrer quand on fera que tu testes ça.
Ouais, donc après c'est de paramètres après. C'est toi qui du coup paramètres sur votre charte, tu vois. Du coup,